mitraille. Things of many students cracked down by the police dans la radio. Bonsoir. L'autre jour, je ne sais pas comment. Ouch! J'avais mon dos roulant de l'oreille. J'étais dans une salle de séjour et il y a eu ce bruit. J'ai regardé autour. J'étais surpris, puis inquiet. Peut-être le feu. Il neigeait dehors et le vent se levait. Je m'inquiétais encore. Et puis j'y pensais, puis mon corps souffrait. Je manquais d'exercice, il fallait que je consulte, que l'on m'ausculte. Ça n'allait pas bien fort, comme je vous le disais. Et cette atmosphère, quelque chose de lourd. Je m'assis avec ma misère. La chaise craquait, comme les bois de mur, les murs de bois de la vieille masure. J'allais vite me relever pour me glisser à un vieux vinyle. Un craquement, peut-être l'arthrite, c'était décidé, je l'ai consulté. J'ai passé la porte et j'ai glissé. Oh, docteur Laporte, je me lamentais, pas de veine, je maugrais. Au lieu d'attendre une semaine, j'y allais tout de suite, à l'improviste. J'arrive là comme je peux, je passe la porte du docteur Laporte. Ses yeux vitreux me fixent, surpris. Comment devez-vous entrer ? Par la porte, monsieur Laporte. Je n'ai pas insisté sur l'évidence, il y avait une ligne de je ne sais quoi avec laquelle le docteur semblait s'amuser, moi qu'il prenait pour quelqu'un de sérieux. On aurait dit une poudre. Il se lève et sans crier gare surgit tel un volcan. On aurait dit l'éruption de Lego, ce volcan d'Indonésie, ou encore ce chef de gouvernement qui s'appelait aussi Lego. Alors je prétexte qu'il faut que j'aille éteindre mes phares pour fuir, pour passer à l'ouest d'Éden, d'Egon, la frontière. Je me souviens quelle outrecuidance d'arriver ainsi chez le docteur Laporte à l'improviste. La porte était close. Quelle honte. Je me retourne, je vais de nouveau cogner à la porte, docteur Laporte. Crac. De nouveau. Ah, ce bruit. Je me serais trompé de porte ensuite. C'était la boutique du dos, ou du dos. J'entends qu'on parle du dossier officiellement secret. Pas du dos, bac en anglais, mais d'un système d'exploitation. Et mon dos encore en douleur. Le docteur qui déjà? Il m'ouvrit. Il me donne une grande tape dans le dos, et craque de nouveau. Je me redresse, telle une économie patiente, et je vais passer sur la table d'opération. De massage. Le message passera là, tel un massage. Adieu les clivages. Clivage. Mes questions s'envolent quand j'entends encore crac, crac, crac. Je me dis que ce soir, je ne ferai pas de vieux os.